Donc, je vais recommencer mon intro. Je m'excuse, il y a eu un petit bug. Donc, on va recommencer ça. Donc, salut à tous, c'est StarKiller1989. On se retrouve maintenant pour l'épisode 20 dans mode survie de Fallout 4. Il y a eu une erreur de diffusion, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que ça faisait longtemps que c'était plus arrivé. Ça s'était déjà arrivé bien avant ça. Peut-être parce que j'ai mon téléphone en même temps. Normalement, ça devrait bien se passer, ne vous inquiétez pas. J'espère. Si jamais vraiment je rencontre beaucoup de problèmes comme cela, on retournera à l'ancienne version, bien sûr. Donc, c'est parti. Aujourd'hui, au programme. Donc, c'est l'épisode 20. Hein. Je m'étais trompé l'autre fois, je le répète. En fait, j'avais tourné l'épisode 19 hier. Et non pas 20 hier, parce que je vous ai dit que c'était l'épisode 20 hier. Du coup. Comment dire? Aujourd'hui, c'est l'épisode 20. Donc, c'est parti. Au programme. Donc, on avait fait, souvenez-vous, la fois passée, on avait continué un petit peu dans la trame principale. J'avais débloqué la quête souvenir-souvenir. Pas de quartier, hein, donc on avait enfin découvert le fameux prix d'Ouen. Qu'on retournera par la suite. Mais au programme, aujourd'hui, on va pas faire de quête principale. Donc, vous voyez, hein, j'ai. Comment dire? 6 niveaux en attente, j'avais vraiment pas fait attention. Du coup, on va peut-être les mettre tout de suite illico presto, les points de compétence, j'en ai 6 débloqués. En gros, j'ai passé 6 niveaux, mais j'ai complètement oublié de mettre mes points de compétence. Pourtant, c'est pas faute de me l'avoir dit. On me l'avait déjà dit. Donc, on va les mettre maintenant. Je vois que ça fonctionne bien. J'espère que ça va pas me faire d'erreur. Si jamais ça me refait une erreur, désolé de parler comme ça dans le live. On va devoir utiliser l'autre version de. Comment dire? De stream, donc espérons que ça continue comme ça. En attendant d'avoir un PC un petit peu mieux. Bon, ici, je suis sur mon téléphone, donc ça c'est chaud, surtout que c'est un Galaxy S3, je le répète encore. Donc c'est quand même un assez vieux maintenant, hein, par rapport à tout ce qu'il y a maintenant. J'ai entendu parler qu'il allait y avoir la sortie bientôt du Galaxy S7, je pense, je sais plus. S7, ouais, je pense que c'est ça. Donc au programme, aujourd'hui, on va faire un petit peu de quête secondaire, les potes. On va pas. Comment dire, on va laisser un petit peu la quête principale de côté, parce que je pense qu'on a déjà pas mal avancé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire pas de quartier, bien que je l'ai déjà essayé un petit peu tantôt en version test. Je sais pas si vous y étiez présent, pour certains oui. J'ai essayé la mission là et je me suis fait défoncer, du coup je ne sais pas si ça va me refaire ça. Sachant qu'avec ce personnage là, j'ai ramassé déjà beaucoup de statues ainsi que des livres qui m'octroient des bonus permanents. Donc. Voilà, donc vous entendez la porte, c'est ma mère qui vient me déposer des affaires. Hop, donc on va regarder un petit peu dans les points de compétences. Ce qu'on peut bien, ouais, ce qu'on peut améliorer. Donc ce que je vois, c'est que fusilier, je peux pas, il faut que je sois niveau 31. Je ne suis que niveau 27, c'est pas mal, hein. On avance tout petit doucement. Pour le commando, il faut que je sois niveau 35 pour pouvoir améliorer mes armes. Donc ce qu'on va faire. C'est que je pense qu'on va améliorer enfin Fana d'armes au rang 3 déjà. Hop, ça c'est sûr d'office pour améliorer, donc pour pouvoir voilà, utiliser, pour accéder au module de rang 3. Hein, de rang 3, rang 4, je sais plus. Ouais, rang 4. Non, non, c'est, rang 4 c'est le suivant, je pense, oui. Ensuite. J'avais amélioré apparemment expert en démolition. On va améliorer autre chose. Pistolero. Donc les pistolets non automatiques infligent 80% de dégâts supplémentaires et peuvent désarmer la cible. Ça a l'air intéressant. Oula. À chaque fois il me fait ça, je sais pas pourquoi. Voilà. Il demande d'éteindre la télé, mais j'ai pas envie d'éteindre la télé. Ensuite. Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer d'autre à part ça? Il va falloir aussi que je me concentre un petit peu sur. Ouais, améliorer perception. Charisme, etc. Mais pour le moment, c'est pas la priorité. On va améliorer quoi? Peut-être un petit peu la discrétion. Non, vous êtes pas. Je suis un petit peu chaud pour améliorer la discrétion. Il y a beaucoup de points de compétences que je pourrais améliorer au niveau 31, dont celui-ci sanguinaire et. Comment dire? Fusilier, hein. Donc deux points de compétences. J'ai une idée. Je vais pouvoir. Donc j'améliore un petit peu serrurier. Voilà. Ensuite. Expert en démolition. J'ai envie de l'améliorer. On peut essayer de faire un perso combiné silencieux. Mais quand on a envie de foutre le bordel, les gars, hein, on peut réserver ça
en mode délire. Donc tout ce qui est Fat Man, grenade, etc. ça fait masse de dégâts. Donc on va améliorer ça. Il m'en reste combien? Encore deux. Ça va vite. Marchand de sable, les armes équipées d'un silencieux infligent 30% de dégâts supplémentaires. Direct. Et pour le dernier, qu'est-ce qu'on pourra améliorer? C'est quoi cible mouvante? Attrape-moi si tu peux. Votre résistance aux dégâts et votre résistance à l'énergie augmentent de 25 lorsque vous sprintez. Ok. Je réfléchis. J'ai déjà bien avancé, je pense. Ah, c'est quoi ça? Ou alors on pourrait peut-être améliorer la vitalité, parce que j'ai vu ça. Où elle est la vitalité? Oh! Ou les Steam Packs, peut-être? C'est quoi ça? Grâce à vos droits, aide que je suis faire les poches. Ah, ça peut être bien. On va faire ça. Donc, on va pouvoir fouiller les poches des ennemis, hein, donc tout ce qui est pillard, etc. Pour le moment, donc grâce à vos doigts agiles et crochus, faire les poches est 25% plus facile. Mais après les gars, si on passe en niveau 2, ça va être plus intéressant. Il va pouvoir faire les poches 50% plus facile déjà. Et on a la possibilité de placer une grenade découpillée dans l'inventaire de la cible. Donc si ça va me permettre d'avoir plusieurs styles à disposition d'attaque, etc., de stratégie, et en plus de ça faire mon trophée, parce qu'il y a un trophée où on doit mettre une mine ou une grenade sur une personne et elle va exploser. Juste voir un peu ce que ça fait, parce que j'ai jamais vu ce que ça faisait. Donc excusez-moi, je pense qu'on va l'améliorer, hein. Non, ouais, on va faire ça. Hop, je pense qu'on est pas mal. Donc c'est parti, j'ai mis tous mes points de compétence. On va pouvoir... J'hésite à faire quoi comme quête d'abord. Sécuriser la cache de la DIA. Silver Shroud. Parler à Jacob... Cabot, pardon. Ah, voilà, c'est ça que je vous disais. On va faire la quête Diamond City Blue. Je vous l'avais promis. Donc, on va essayer de la faire. Hein. Ensuite... Ah oui, il me reste ça aussi comme quête à faire. Je ne sais pas si vous vous souvenez. On avait été à la station satellite et on avait foutu le bordel, si vous vous souvenez bien. On avait fait une belle petite vidéo ensemble. Je pense que c'était la plus grosse que j'ai fait. Elle a duré au moins 2h45. Et on avait laissé tomber. Donc on avait fait beaucoup de quêtes entre autres. Et maintenant je pense que en ayant le niveau 27, je pense que je suis capable de la faire. Normalement ça devrait bien se passer. On va faire beaucoup d'éléments divers aussi. Et donc trouver des documents, je vais l'activer. Donc trouver des documents techniques pour le connétable Kinlan. Ouvrez votre conteneur. What? Ouvrez votre conteneur de stockage personnel. C'est quoi ça? Oh. En gros, on va activer Diamond City Blue pour le moment. Ensuite, peut-être que on fera du Silver Shroud. Pourquoi pas? J'ai envie de faire une quête avec Silver Shroud. Ça pourrait être bien. Donc, une petite sauvegarde automatique. Hein. Ça, c'est à cause de... Comment dire? Piper est avec moi. C'est à cause, comment dire... allez. Je ne sais plus de quoi. Je suis pensif, je sais plus à quoi... De quoi je parlais. Mon Dieu. Je parlais de quoi encore? Ouais, de Silver Shroud, donc c'est une quête que j'ai vraiment envie de faire parce qu'elles sont vraiment cool à faire et que je vous conseille personnellement. Faut savoir que c'est des quêtes secondaires, hein, qu'on chope à Good Neighbor, que je vais vous montrer tout de suite. Vous voyez ce grand dirigeant? Grand, bruyant et c'est surtout quoi, la confrérie de la cible, plein de dirigeants corrompus. Par contre, j'avais pas vu, j'ai masse de missions, what the fuck, du Libérateur. J'en ai 627, truc de malade. J'hésitais, j'allais dire, je sais plus compter, ça y est. Donc, au programme, on va faire ça. Donc, on va se TP. Ah ouais, on doit retourner au prix de Wayne. Voilà, c'est ça. Ouvrez votre container personnel. Donc, la quête de la confrérie de l'acier, c'est la quête suivante. Elle est assez stylée à faire. Il va falloir tuer du gros gibier, on va dire ça comme ça. Mais je sais pas si j'ai le level. On va peut-être essayer pour vous. Waouh, j'ai eu le ok, excusez-moi. Pour voir ce que ça donne. Bonjour aux trois personnes qui viennent d'arriver.
Voilà, donc on est sur le pre-drain, les potes. Bon, on va monter tout en haut. Putain, la gatling qu'il a, ce type. Ouais, je sais bien. Bon, c'est parti. Voilà, j'enclenche ma montre. Donc, on va dire que ça fait au moins 5 à 6 minutes que j'ai lancé le live. Donc, on va monter sur le pont principal du Pridwen. En plus de ça, je vous réserve encore énormément de tutos. Il y a des tutos qui vont arriver, qui sont en projet, d'autres parties que je vais peut-être faire. J'ai déjà un petit peu commencé ce qui était genre build un petit peu corps à corps avec un nouveau perso. Donc on va voir ce qu'il en est. Et si j'aime bien... Oh, qu'est-ce qui se passe? What? Des nouvelles, on va vous mettre... Vous avez entendu parler de quelque chose d'intéressant, docteur? Je n'ai rien qui puisse vous intéresser. Parlons plutôt de votre état de santé. Ça va bien. Prévenez-moi si ça change. Ça m'intéresse pas, on va dire. Hop. Par contre, j'ai cru entendre que... Comment dire? Allez, bouge, Piper, please. L'armurier, au fond, il avait du travail à me proposer, mais il fallait juste finir la mission en service, je pense, si c'était bien ça. Ekel, yo, c'est le blagueiste de merde professionnel. Ça va, Ekel? Ouais, je sais bien. Il est là, mon blagueur. Ça va? Bon, on va parler un petit peu, voilà, c'est le connétable Tigane. Oh putain, les gars, les armes qu'il a derrière. Oh, par contre, ouais, vous voyez cette arme-là, je vais vous la faire en tuto. En fait, il y a moyen, mais vous verrez ça plus tard, quelque chose de spécial. Quelque chose de spécial. J'ai quelques modules sur lesquels je travaille. C'est un de mes passe-temps favoris. Rectification blagueur. C'est du lourd, là. Ajoutez-en quelques-uns à vos armes et je vous garantis. Il est là. Que le résultat vous plaira. Le poteau. Bon, travail supplémentaire, on va lui demander qu'il nous mette du travail un petit peu pour voir ce qu'il propose, hein, parce que j'ai jamais essayé personnellement. Dites-moi plus sur ce boulot supplémentaire. Je suis d'une humeur métalesque. Oh, à l'aise. Comme on dit, on ne peut pas gagner une guerre le ventre vide. Nos réserves de nourriture ne se remplissent pas toutes seules. Alors j'ai besoin de jambes pour faire la... Tant mieux alors que tu t'es d'une humeur... Mais... Je ne saurais même plus à dire le mot. Métalesque. La nourriture soit mise en caisse et prête à être embarquée par l'équipe que j'enverrai. Si, si, frérot. Notre mission consiste à nous garantir la coopération des fermiers. De fermiers. Nécessaire. On va aller prendre le petit tracteur, les gars. Hop. Bon, pour tous les moyens, peut-être plus tard. Ça marche. Ça marche. Parfait. Napoléon dans le turfu. Il nous faut leur entière collaboration. Ouais, je sais bien. Attends, il manque plus que l'épée, gros. Mais là, j'ai un flingue, c'est chaud, tu vois. Mais je penserai à toi, j'essaierai de prendre une épée chinois là. Parce que bon, je sais pas, il y a des chinois dans le jeu. Ils sont fous, les gens. Ils ont instauré des chinois dans le jeu. Ils sont. C'est des malades, les gens. C'est communiste. Communiste! Bon, on va monter tout en haut. Par contre, on va pas monter tout en bas, bien sûr. La rapière nuance. Ouais, ouais, il me la faut, il me la faut. Je vais aller essayer de la dropper. Bah, je pense que gros, dans le jeu, tu vois, il y a... Si je me souviens bien, il y a un moment, il y a une mission où tu t'ouvres un portail temporel, comme ça, tu retournes dans le temps, tu vois, tu retournes en 1789, le jour même de la Révolution française, et tu vois, tu peux jouer aux côtés de Napoléon, et en gros, si tu lui fais la mission et tout, et contre, tu vois, tu te bats contre les Anglais, etc., bien sûr, il va se prendre une caraboulée, hein, mais il va se faire défoncer. On est d'accord. Mais à la fin, je sais bien qu'il nous propose une épée, une putain d'épée, franchement, c'est... J'ai hâte de l'avoir. Eh les gars, réacteur à fusion, cellule à fusion. Ok, cool ta vie. Aïe. Grenade, 10 mm. Ok, c'est à de la merde, mais je le prends. Hein. On va toujours se faire un petit peu plaisir ici. Oh là, qu'est-ce qu'il fait lui, il est chaud, il tire sur quoi? Eh frère, il est fou lui, il tire sur les types. Attention, je tire. Attention, tu tires. Ender. Pas de problème.
Le type il lui dit merci de lui tirer dessus là. Vas-y tire-moi dessus. Oh merci, tu me fais trop. Deux dans la tête. C'est des malades ces gens. Cartouche. Donc ici vous pouvez le voir un petit peu, c'est le quartier résidentiel ou quartier où tout le monde peut dormir. Oh un minou, il y a un chat pas loin. Est-ce qu'il est? Merde, j'ai entendu un minou. Il est où? Il est pas là. Plus triste. Ah non, il est en bas en fait, je suis con. Réquisition épée chinoise, sabre japonais, katana. Ouais. Sabre. Allez. Moi je préfère les katanas quand même. C'est plus stylé, ça fait plus ninja, tu vois. Et puis il est quoi? C'est pas les shuriken, les shiro. Shiro, je sais plus quoi. Bon allez, on va faire un petit peu de mission les gars, parce qu'on blablate beaucoup. Voilà, donc on a débloqué la quête grâce au connétable Tigan. Le tendre et amable Tigan. Nourrir les troupes, persuader les fermiers de faire don de leur récolte. Oh les enculés! En fait, c'est tout pour eux, rien pour les autres, en gros. Ouh, la confrérie, là, ouais. Ça me plaît pas, les potes. C'est pas cool. Oh oui, des plaques chauffantes. À votre place, je n'y toucherai pas. Faites cuire une boîte de crème avec un peu de... Officier de messe de la confrérie. J'ai presque l'impression de manger de la vraie nourriture. Officier de messe. Il fait peut-être la messe. Un tabouret, chevalier. Les shurikens. Ouais, les shurikens, voilà, c'est ça que je cherchais. En mode Storm Shadow ou Snake Eyes. Je sais pas si tu connais. Dédicace à G.I. Joe. Moi j'ai trop kiffé les deux ninjas qui se battent là en mode what the fuck, quartier du Pridwen. Je n'ai pas la clé. Aïe, on peut dormir au Pridwen, mais apparemment je savais pas. Cool ça. Oh là. Un ventilo, c'est la vie hein les gars. Si vous avez trop chaud, vous l'enclenchez. Bien sûr, il faut avoir la prise avec. Pas mal. Je préfère Bruce Lee. Ouais, pareil. Les trucs de malade qu'il faisait Bruce Lee, c'est la vie, les gars. On visite un petit peu. Oh, on peut pas voler ici. Enfin, apparemment, c'est la chambre ultime. Oh, une carabine de combat. C'est quoi, ça? Ouais, Bruce Lee, franchement, on est d'accord. Je suis d'accord avec toi, il faisait des trucs de malade. Moi aussi, c'est un de mes préférés. J'aime bien Jet Li aussi, mais bon. Jet Li lui arrive même pas à la cheville. Chuck Norris est bien aussi. Chuck Norris. Il arrivait un petit peu à sa cheville, mais bon. De Bruce Lee. Et Cor. Bruce Lee, c'est tous les deux des malades, ces gens. Par contre, il me dit de remonter. Qu'est-ce que je dois faire? Bon, soit. On y go, les potes. On va faire la mission du jour. Donc, on va faire cette mission-là. Mais avant cette mission-là... on va faire la mission que nous propose les Nemaxon. Du moins, on va essayer. Si je me fais un petit peu trop défoncer la gueule. Pardon pour les mots. Voilà, pas de quartier. Le nom de la quête porte bien... ça porte bien son nom, en gros. Pas de quartier. Hein, donc, ça va pas de quartier, pas de quartier pour moi, en gros. On va monter juste avant de lui parler parce que je sais bien qu'il y a un truc ici. Qu'est-ce qui se passe ? À son âme, un petit mec badass qui a défoncé à maintes reprises Chuck Norris et lui a arraché sa toison tétonnière. Ouais, je sais bien, il était trop puissant. Non, franchement, putain. Et moi, je suis sûr qu'il est mort parce qu'il y en avait plein de gens. Hein, c'est encore de la jalouserie, tout ça. Franchement, moi, quand j'ai appris qu'il était mort, j'étais trop dégoûté parce que j'ai regardé de ses vidéos avec Bruce Lee quand il, tu sais, je sais plus si c'est au ping-pong, ouais, il joue au ping-pong avec un nunjaku, c'est ça hein? Je sais plus, ouais, c'est un nunjaku. Il joue au ping-pong avec ça, c'est un truc de fou. Ou alors il éteignait des allumettes. Je sais plus ce qu'il faisait, j'ai vu une vidéo là-dessus, c'est hallucinant. Franchement, n'hésitez pas à aller voir, c'est sur YouTube. C'est un malade, c'est une légende ce type, c'est. On peut pas. Je pense que voilà, c'est pas comparable. On peut même pas. Quel genre de mission? Et tout ça pour un tournage quoi, hein. Il est, je me souviens bien, il est mort donc assassiné. Apparemment, comme par hasard, le flingue en question, il était chargé alors que MDR quoi. Parlez. Bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver. Quel genre de mission? De quel genre de mission s'agit-il? Le genre de mission qui va enfin mettre à profit vos longues heures. Là, il faut que tu me donnes une mission de Napoléon là. Je suis chaud. Une mission avec des canons serait bien. Force Strong.
ces aberrations de la nature sont si proches que je peux presque les sentir. Il est pas bien, lui. Pour ne rien arranger, il a la haine. Il a main sur un très gros stock de munitions de Fat Man. Nous devons nous en emparer. Des Fat Man, les potes. Mon arme. Vous éliminiez tout ce qui bouge et que vous récupériez les munitions. C'est compris? Ils veulent du Fat Man. Ils vont avoir du Fat Man. Des super mutants, ouais, chercher ce que c'est. Aussi de Fat Man. Comme si c'était fait. On va faire un petit récapitulatif de Fat Man pour ceux qui ne savent pas encore. À quoi servent ces munitions? Le lance-missile Fat Man est un élément essentiel de la... Détruire toute vie sur Terre. Il permet de lancer un charge nucléaire miniature tout en restant transportable par un seul individu. Une escouade entière armée de ces bijoux serait virtuellement invincible. Si vous avez un jour l'occasion, le plaisir d'en utiliser un, permettez-moi de vous donner un conseil. T'es en transe quand tu utilises ça. Tu te demandes quoi? Bon, je vais devoir y aller. C'était pour te faire un petit coucou. Ouais, mais c'est bien, hein, comme je te dis à chaque fois. Et les autres followers, je sais pas comment ça se dit. Bref, c'est cool. Ouais, tu peux dire ça comme ça. Les followers ou les viewers, hein, c'est la même chose. Tous ceux qui sont présents, en tout cas, c'est super cool à vous. Et j'espère que tout le monde, encore une fois, passe un super week-end. Ou... Voilà, on se calme. Une super fin de bon week-end, du moins, un bon dimanche. Moi, en tout cas, oui, je suis en forme. Comme si c'était fait. Comme si c'était fait. Je comprends que vous ayez envie d'attaquer la... Comme si c'était fait. Ta-ta-ta-ta. La confrérie ne peut pas... Piper a aimé mon commentaire. Yeah. Mets-moi un petit like sur Facebook. Des mains des super mutants, ça va plaire à mes lecteurs, ça. Un vertiptère lourd, mais a été préparé. Il n'attend plus que vous. Prenez-le. Et allez, mon... Alors les gars là, ça va faire... On va tout détruire là, on est chaud. Ah, cette mission là les gars, franchement elle est bien. Par contre je sens que je vais me faire défoncer, je sais pas pourquoi mais... Non, les autres, vous devez follow... Ah, tu voulais dire ça, ok. Je pensais que tu disais au revoir à tout... aux autres viewers, je savais plus quoi dire là. J'étais en mode choqué. Oh les gars, le Vepterter, il a une tête de mort. C'est un boss. C'est un boss. Sortons les armes. Non, je rigole. Bon, on va faire une petite save rapidos. Hop, on va monter dans le Vepterter. Et on va foutre le bordel. Ou pas. Allez Piper, j'ai pas que ça à faire. Les gars, on a 999 munitions. En gros, on a des munitions infinies. Mais ils ont pas voulu nous le dire. Allez, bye, Kel. Ce fut un plaisir que tu sois passé sur le live. Quand tu veux, hein, tu sais bien, frérot. Normalement, ça sera mercredi. Tu fais quoi? Bah, je fais une mission sur Fallout. C'est une mission assez stylée. Tu peux voir, regarde, je suis à bord d'un Vepterter avec un miniguns accroché en hélicoptère. Et on va broyer du... On va défoncer du super... Every time. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Oh yeah, c'est quoi ça? Vengeux chasseur. Allez. J'essaie de la garder dans votre ligne de mire. Bon les gars, je vous... C'est un petit essai la mission là, je suis pas sûr de réussir. Regardez, c'est qui lui? Bébémot. Il me lance des cailloux, il a pas de respect cet enculé. Tu vas mourir. Ah ouais, il perd beaucoup de vie. Excusez-nous, monsieur. Tiens, enfoiré. Bon les gars, en fait, il faut pas tuer lui, il faut tuer les super mutants d'abord. Peaches, prends ça dans ta gueule. Oh, mange. Allez, c'est quoi le délire? Oh, le mitraille. Putain, ça fait déjà 999 munitions qu'il a sur lui et voilà. Il s'est pris tout dans la gueule. Par contre, il y a un bug, d'habitude, il y a plus d'ennemis ici. C'est quoi le délire? Allez. Ah, il est là. Il est là. Meurs. Ah, un plus. Nice. Perfecto blanco. Perfecto. Il est où? Ah, il se bat. Bataille de fangeux, bataille de fangeux. Behemoth versus fangeux. Lequel repartira gagnant? On ne sait pas. La suite après le bâtiment. Behemoth, vas-y fangeux, je te couvre. Je te cover.
Je vais le péter, les gars. Je vais le péter. Et regardez, il a des caddies sur le dos. Je sais pas, il comptait aller faire les courses avant de... Oh, il s'est pris une tarte dans la gueule. Il va mourir, le behemoth, le behemoth, le behemoth, le behemoth. Le behemoth est à terre, 118 XP. Cool. Oh, encore un fangeux. Frère, meurs. What the fuck? Et le fangeux il plane, les gars. Merci mon frère. Tu m'as été d'une grande utilité. Oh là, oh là, oh là, oh là, on se calme. On se calme. Fangeux. Ok, tu me laisses pas le choix. Non. On se replie, grenade dans l'eau. Ah non. Ah c'est bien, le fangeux il va attaquer les autres, je pense, non? Ouais, ça c'est classe. Allez le fangeux, tu peux gagner. Ouais, il est là-bas. Il les baisse tous. Il les baisse tous. Ça c'est cool. Oh, t'es mort. Tu renvoieras maman de ma part. Putain les gars, il faut avoir quand même un petit fusil d'assaut fusil automatique. J'ai essayé de l'améliorer par la suite. Oh. À l'aise. Oh putain, il y a la tempête de la mort ici. Tiens. Alors tu as aimé? Wow wow wow. Et il fait du freestyle le fangu, il est chaud. Touche pas à Piper. Allez, tiens manche. Putain, il faisait pas beaucoup peur ce fangeux, quoi. Bon. On continue, hein. Par contre, là, on se tape... Non, c'est pas ça que je vais faire. On se tape beaucoup de radiation. Je sais pas, la tempête, c'est quand tu veux pour partir. Merci. Alors, cartouche. C'est quoi le fusil? C'est quoi le fusil? Ok, la 17 de dégâts, c'est de la merde. On fouille un petit peu les alentours, hein, les poteaux. Avant de rentrer dans la base ennemie. Sachant qu'il y a encore pas mal de mobs. Ah, c'est chiant ces putains de radiations. Surtout qu'il y a encore des tonneaux ici en même temps. Du coup, on se tape full radis. Voilà. On se tape des radis. C'est des bons légumes. C'est normal, hein, je craque un petit peu. Tous les dimanches, j'ai ça. Par contre, les gars, j'ai full munitions quand même. Je suis content. 452. C'est la vie, quoi. Oh, il y a un cimetière ici. Il y a un fangeux là. Et un behemoth là. Oh, le behemoth, il avait des caddies sur son dos. Il avait fait les courses avant de partir. Oh, toutes les cartouches, les potes. Oh, nice. On va voir ce qu'il a. Une main d'écorcheur. Ok, le type, il a bouffé une main d'écorcheur. Il était chaud. Plastron, non. Viande, on prend. Ah, pas mal. Les bras sargouge en métal. Par contre, il faudrait qu'on me drop le... Comment ça s'appelle l'objet caméléon, là, encore une fois que... Chaque fois j'en parle. On va tout prendre. Putain, on est déjà full. On est déjà full, on est déjà full. Par contre, le prochain level up, il va falloir que j'améliore un petit peu mon poids parce que... Je pourrais déjà quasi rentrer. Je suis tellement lourd. C'est le bordel sur cette île. Et quoi, la tempête, elle reste à l'infini? Alors, on va aller voir vite fait là-bas. Un beau petit coin pêche ici, les potes. Allez, hop, il a mis sa canne à pêche, il est parti en courant. Ou alors il s'est fait bouffer. Elle n'a plus de canne à pêche. Ah, elle pêche toute seule, elle est chaude. Bon. Regarde un petit peu le temps. On est à 20 minutes, ça va. Salut la compagnie, salut tout le monde, bienvenue sur le live. Ça fait énormément plaisir, même si c'est juste une seconde. C'est déjà ça. Je comprends que vous n'avez pas toujours le temps. Par contre, pour ceux qui arrivent et pour ceux qui connaissent pas encore, mes lives sont passés de 45 minutes minimum à 1 heure maximum. Je ne fais pas plus ni moins.
parce que je peux comprendre que c'est saoulant d'avoir 36 000 heures de live ou de rediffusion à regarder, hein. Donc, je fais ça plus court pour vous. Oula, hé les gars, mon Napoléon, j'avais pas raison. Ils ont des canons pour moi. Elle est où, mon armée? Il y a plus d'armée, ils m'ont tous laissé tomber, ces enfoirés. Y'a quoi, là? Ok, y'a des vases. Nice. Allez, je suis bloqué. Bon, apparemment, ça dépend le level, parce que sur mon autre partie où je suis niveau actuellement 36, y avait beaucoup plus de mobs et des légendaires en plus. Du coup, là, y avait quoi? Le Behemoth, deux fangeux, trois super mutants, et c'est tout. Je pensais quand même qu'il allait y avoir un peu plus d'action, quoi. Non, je rigole, c'est quand même pas mal. Bon, c'est parti, on va faire une petite save rapide, rapidos, et on va rentrer dans l'arsenal de Fort Strong. Donc, on va aller chercher tous les Fat Man. Enfin, on va déjà sécuriser les lieux, ça serait déjà pas mal. N'hésitez pas encore à commenter, à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, ou à follow. C'est vous qui voyez. Si ça vous intéresse, du Fallout 4, je fais aussi du Diablo et du God of War. Voilà, je fais beaucoup de tutos aussi sur Fallout 4. J'ai déjà 9 tutos sur ma chaîne. Donc si ça vous intéresse pour certaines armes, hein, dont celui-là, donc le libérateur que j'ai sur moi, et pas celui-là, la sulfate. Ça fait déjà 2 tutos que j'ai déjà fait. Oh, le snipe! Qu'est-ce qui se pointe? Je lui arracherai les jambes. Oh my god! Ce que tu dis là, c'est... c'est monstrueux! Tu me fais peur tout d'un coup. Je pense que je vais commencer par te tuer, toi, d'abord. Tu t'emmerdes? Attends, j'arrive, tu vas plus t'emmerder longtemps. Putain, ouvre-toi la porte. Nice. Ça y est. On va les pomper. Hey, bitch. À l'aise. Bon, salut. On va prendre la sulfate, ça ira peut-être un peu mieux. Ok, j'ai très bien visé. Bon, allez. Tiens, manche. Holy shit. Il a muté cet enculé. Non, tu ne mourras pas. Je suis mort, je suis mort, je suis mort, je suis mort. Quand même, quand même, quand même. Oh putain, je suis du cul, les potes. Heureusement que... heureusement que... la sulfate est là. Ah, il y a des ennemis là, il y a des ennemis là. Ouais, mais je suis un malade, moi. Je vais mourir à cause de mon arme, quoi. Ça continue. Bon, ça va, j'ai tué tout le monde. On va voir ce qu'il nous a looté. J'espère qu'il nous a looté du bon. Non, il nous a looté du pas bon. Réduit de 15% les dégâts infligés par les ghouls. Bah, ça peut quand même être pas mal si je l'améliore. Donc on va le prendre. Il fait 9 de défense, 15 de résistance en enfin aux dégâts, je suppose. 4,6 de poids et de valeur de 60. Ok. L'arme, on la prend pas. On a beaucoup mieux que ça. Un petit message. Non, j'ai jamais fini. Salut ma... j'avais pas vu ton message. Salut ma... parce qu'en fait j'avais descendu un petit peu avec mon curseur au niveau du téléphone. Salut ma... Maoum, si j'ai bien prononcé. Non, j'ai jamais fini le jeu une fois. Enfin, en tout cas l'histoire principale, jamais. J'ai été quand même assez loin, mais j'ai jamais fini le jeu. Parce que à chaque fois, je recommence un nouveau perso, etc. Je pense que j'ai déjà 4 persos en cours, tu vois. C'est bon. Je suis un malade, moi. Je suis un drogué de Fallout. Non, je rigole. Ah, et de la clé de Fortron, les gars. Et t'inquiète, Fa, je les tue tous. Je les défonce tous. Grenada, grenada, grenada. Oh, yeah. Le fusil à 96, on le prend. Hein. Ça fait toujours plaisir. Par contre, le flingue, c'est de la merde. Oh, une mine et nuque. On prend. Il doit pas y avoir foule tous les jours ici. Mais pas peur, je t'ai pas demandé ton... Non, je rigole. Clé de Frostron pour le coffre-fort. Donc la clé, elle se trouve dans le bureau, les potes. Ah, il y a un livre. Il y a un livre. Il y a un livre. Le livre. Ouais, je sais bien, je l'ai tué tous.
Argent d'avant-guerre, j'ai vraiment d'un con. Calibre, on prend le calibre. Est-ce que tu aimes bien le calibre, Piper? Non, je rigole. Hey. Vous cherchez quelque chose de précis? Je savais que tu le volais, mon calibre. Non. On va lui mettre le bric-à-brac sur elle. Voilà. Ça, j'ai pas besoin. Alors, ouais, donc, en fait, ça non plus. Pour le moment, en fait, voilà. Je vous avais, pour ceux qui ne savent pas encore, pour le moment, je joue un petit peu avec l'uniforme général des miliciens. Bon, vous l'avez vu, hein, sûrement, en troisième personne. Je vous montrer ça tout de suite. Voilà. Il est un petit peu en mode Napoléon, le type. Un petit Bonaparte, quoi. Bon, sinon, c'était pas marrant. Voilà, donc je joue avec le costume de Napoléon... De Napoléon. Ouais, bon, de Napoléon, si vous voulez. Donc, des miliciens. J'avais joué avec la tenue... comment elle s'appelle encore? De l'abri 111, plus les parties d'armure. Mais ici, je suis un petit peu en stand-by, parce que je l'ai vraiment utilisé au moins pendant 15-16 épisodes. Du coup, j'aimerais bien un petit peu changer, donc... Voilà. On va voir un petit peu ce qui se passe dans la téméraire du général Brock. Qu'est-ce qu'il nous dit, lui? Rapport du général Brock. Vous faites pause, les potes, hein. Enfin, quoi que, à compter d'aujourd'hui, c'est moi, le commandant de Force Tron. J'ai hâte d'aider l'USS Army. Tester certains de ses systèmes d'armes expérimentaux sur notre site. J'ai déjà donné l'ordre à mes hommes de préparer l'île pour les opérations de test en rasant les vieilles casernes et en faisant construire un... Quoi? Un simulacre de ville. Comme nous combattrons l'ennemi sur un front urbain, la meilleure chose à faire, à mon avis, consiste à tester ces armes et à étudier leur impact sur des structures civiles. Bon, ça, les gars, je lis pas. Vous faites pause si vous avez envie. Quoique, en fait, la nouvelle série d'armures assistées T-51B que le corps des ingénieurs vient de sortir des chaînes de production. Ah, je suis très impressionné par le niveau de protection qu'elles offrent à nos soldats, tout en leur procurant une mobilité remarquable. J'ai remarqué toutefois que les soldats ont toujours du mal à sauter quand ils s'emportent. Ah, quelle feinte! En même temps, si tu prends une armure, t'es lourd, tu vas plus sauter aussi haut. C'est à cause de leur poids, elles se renversent souvent. Libyen, chien de la casse. Ok, chien de la casse. Sauter quand ils emportent, c'est à cause de leur poids. Elles se renversent souvent lors d'atterrissages trop violents. J'ai demandé au gars de la maintenance d'y jeter un œil et ils seront suggérés d'ajouter un gyroscope et des amortisseurs dans la partie inférieure du torse. Je vais transmettre la proposition à mes supérieurs et voir si je peux convaincre Washington de financer le coût d'une telle modification. Lequel? Et Washington nous pousse à réduire nos délais de production moitié. Je leur ai dit que c'était dangereux, mais il semble que nous n'avons pas le choix. J'ai dédiversé mon personnel en deux équipes. Donc tout ça, ça se passe avant... Avant la guerre nucléaire, je suppose. Alpha Bravo, pour que nous puissions travailler simultanément sur deux projets, la main d'œuvre sera réduite, mais je suis certain que nous pourrons tenir le coup. Le nouveau calendrier, pardon. Je vais affecter l'équipe Alpha à l'armure assistée et l'équipe Bravo au nouveau lance-missile Fatman M42. Oh my god. L'équipe Alpha a envoyé le premier... L'eau d'armure. Ah ouais, il y a un truc à... Ouais, je m'en souviens. T'es au front en Chine, des rapports indiquent déjà qu'elle fonctionne. T'as vu, les gars? Je vous avais dit que la Chine était dans le coup. Avec leur putain d'épée de chinois. Des rapports indiquent qu'elle fonctionne mieux que prévu. Taillant les chars et les blindages, comme si c'était en papier. Il paraît même que certaines troupes ennemies se rendent à la seule vue de force en armure assistée et équipée de miniguns de 5 mm. L'équipe Alpha semble à bien avoir mérité un week-end à Boston. L'équipe Bravo semble avoir beaucoup de mal à faire en sorte que la M42 tire plus loin de sa position. Le problème est que l'ogive est trop lourde. Ah ouais, ici je pense que c'est marrant. Pour parcourir la distance voulue, les soldats de simulation subissent encore beaucoup trop de radiation et de brûlures liées à l'explosion. L'un de nos techniciens a suggéré une idée raciale, utiliser une sous-charge de conventionnel vide pour propulser le missile plus rapidement. Ses calculs ont l'air bons, alors je vais le laisser faire un essai. Après quelques déboires au niveau de la conception et la perte d'une de nos escouades de test, nous avons enfin optimisé le mécanisme de tir du lance-missile M42. Washington m'a poussé à terminer ce projet au plus vite, mais pour une arme d'une telle puissance, j'ai préféré prendre mon temps. Nous avons envoyé le lance-missile à la zone d'approvisionnement du Mississippi. Et nous attendons le feu vert pour expédier les ogives. J'espère m'en débarrasser avant la fin du mois parce que j'ai du mal à dormir. 12 mètres au-dessus d'engins atomiques capables de réduire cette île en cendres. Enfin! C'était chiant à lire. Bon, les potes.
Je pense que j'ai le temps d'avancer un petit peu. Oh, lui, il a perdu tous ses membres. Le pauvre. Oh, des documents techniques, donc je vous l'avais dit. Voilà. What? Oui, missile, ça fait plaisir. Par contre, j'ai oublié de prendre le livre. Je vais aller le prendre. Je m'en souviens maintenant. Du whisky, les enfoirés. Faut pas me cacher ça, les gars. Moi, je suis à fou du whisky. On va boire une petite gorgée après, les potes, pour fêter ça. Oh. Tiens, lui, il s'est fait défoncer, quand même. J'ai mal pour lui. Un petit tour aux toilettes. Des Steambox. Trop bon pour la santé. Ouais, donc je suppose, si je me souviens bien, il faut prendre l'ascenseur. Voilà. Hé, le poteau. Le poteau à Bob Lennon, les potes. Comme dans Skyrim. Putain. Je fouille un petit peu, hein. Oh, y'a plus de Coca-Cola, dégoûté. Oh, j'espère que c'est que de la poussière. Raccourcissement en dimension industrielle. Ok, à demain. Je prends pas ça, c'est pas bon pour la santé. La drogue, c'est mal. Des menottes. C'est plus Halloween, les gars. Un appareil photo. Ça, je prends plus parce que sinon, je vais être trop plein après. Quoique si, en fait, je peux les donner à Piper. Il y avait un ventilo pas loin. On va prendre un téléphone. Encore un téléphone. Une machine à écrire. C'est la vie. Si jamais je dois écrire un message à ma maman, faut que j'ai la machine à écrire. Ils ont tous des armes de merde. Ça me fait rire parce que leurs armes, elles font 17 de dégâts, mais t'exploses la gueule d'une de ces puissances, genre en 4 balles, t'es mort. C'est normal. Bon, on va appeler déjà l'ascenseur. Et on va vite fait aller... Ah, par contre, ouais, j'ai oublié de monter à l'étage. Je pense qu'on peut monter en plus. Hop, donc, manuel d'opération secrète de l'USS Army... se trouve, mesdames et messieurs, dans Fort Strong, qui se trouve tout à l'est de la map. Donc voilà, je dézoome, hein, c'est plutôt là. Donc le prix de Wayne se trouve ici, Fort Strong ici, et Sanctuary là-bas. Il est pas beaucoup loin, Sanctuary. Et Fort Strong, il est là. Donc du coup, vous rentrez, vous prenez la porte à votre droite, ici, vous avez le coffre. Et le livre est notre autre que sur le bureau, à côté du téléphone. Et voilà. Vous êtes plus difficile à détecter quand vous vous déplacez furtivement. C'est un bonus permanent. Putain, ça fait 5 fois que j'ai le même truc. Cool ta vie. Bon. Maintenant, on est bon. On peut avancer. On est tranquille. Enfin, j'espère. Bon, ici, on a visité. Hein, est-ce qu'on peut monter, en fait? Non, c'est barré. C'est barré, putain, c'est barré. On va prendre l'ascenseur. Bon, je trouve que cet endroit-ci ressemble beaucoup plus à un abri que prévu, en fait. Paquet de cigarettes, je ne prends pas. Oh my god. Document technique, on prend, c'est la vie. Petite save rapide. Parce que beaucoup d'ennemis nous attendent. Right. Il y a un truc à recycler, c'est bien. Cartouche à plasma. Putain, les gars, on se régale, là. C'est la régalade. Bafote. L'ARN dans... Là, il s'est pas que c'est des radoués. Yes. Il y a un téléphone. Ta gueule. Il y a personne. T'as confondu avec un autre type.
Quel respect que j'ai vis-à-vis des super mutants. Les pauvres. Alors qu'ils sont rien d'autre que des humains, mais juste qu'ils ont muté. Ils sont devenus tous des Hulk. Bidon en alu. On va les chasser au Fujitsas. Regardez-moi tous ces joujoux high-tech. À l'aise, mais là on n'a pas le temps de jouer au high-tech. À molos. Coup critique dans ta face. What the fuck? Oh, je l'ai congelé, les potes. Il a explosé. Il a pas aimé. Il a pas aimé. Et quoi, j'ai pas un fusil de chasse un peu plus performant que ça? Tu comptais faire quoi? Ah ouais, il y a un Fat Man là-bas, si je me souviens bien. Le molosse, il va mourir. Ah ouais, c'est un légendaire, le type il s'en bat les steaks, les gars. En fait, j'ai pas trop envie de jouer à la sulfate, on va jouer au fusil d'assaut. Un bazooka! Et un bazooka, les potes! Faut que je le tue, lui. Je pense que je l'ai tué. Il va muter. Mec. Fais le dingue, lui. Il fait quand même mal. Il fait quand même mal. Non. Wow, wow, wow. Tiens. Mange ça dans ta face, poteau. Tu fais le malin. Tiens. Elle est tellement pétée, cette arme. Bon ben, on a réussi la mission. Ben, je pensais vraiment pas que j'allais la réussir. Ben, tant mieux, écoutez. On va pas se plaindre. Alors, ça c'est de la merde. On fouille un petit peu tout. Hein. Ça je prends. Ça peut faire un truc pareil. Eh ben écoute, pas de question, ça doit être les super mutants. J'ai pas eu le temps de leur demander, ils sont déjà tous morts. Putain, il y a des rats ici. Distributeur d'azote liquide médical. Beuh. Là, il y a que dalle. Oh. Pas mal le flingue. Anti-mutant, laser pistolet. Dégâts accrus de 50% contre les super mutants. Il fait 47 de dégâts, 807 de munitions. J'ai 50 de cadence de tir, une portée de 107, une précision de 71 et une poids de 3.9 et une valeur de 306, les potes. C'est cool tout ça. Ah, il avait lance-patate. On va le prendre, on va le donner à Piper. Laissez-moi prendre quelque chose avant que vous vous retrouviez en fauteuil roulant. Oui, Piper, c'est ce que j'allais faire, Piper. Tiens, je te donne mon lance-missile. Laser, ça je te le donne. Terminal de test de l'équipe Bravo.
Loop. Machine. On va un peu lire ce qui se passe. Terminal de test. La situation se complique ici. Brock a décidé de diviser nos gars en deux équipes. J'ai tiré l'une des courtes pailles et j'ai époqué l'équipe chargée du lance-missile Fatman M42 alors que la plupart de mes copains vont pouvoir bosser confortablement sur poids l'armure T51B. J'ai rarement vu un truc aussi débile que le concept du M42, un lance-missile nucléaire portatif à courte portée. Non mais vraiment, j'ai étudié les plans dans tous les sens et je ne vois pas du tout comment on pourrait envoyer une ogive suffisamment loin pour éviter qu'elle ne tue le pauvre diable équipé d'un truc pareil. On a réduit le poids de l'ogive au maximum, mais je crois qu'on fait fausse route. On devrait plutôt essayer d'amplifier la puissance du lance-missile lui-même. Je sais que ça ajoutera du poids à une pièce déjà lourde, mais je pense qu'on n'a pas le choix. L'un des gars de l'équipage a suggéré qu'on utilise un système magnétique pour propulser l'ogive à la manière d'un canon électrique, mais il faudrait une batterie de la taille d'une valise. Je vais continuer de réfléchir à ce problème. On a perdu deux soldats ce matin, ils étaient à la surface en train de tester une variante du MIRV du lance-missile quand l'une des ogives est mal partie et a percuté le sol juste à l'endroit où ils se trouvaient. Pauvre gars, comme il ne restait plus rien d'eux à envoyer à leurs proches, c'est bâtard ça. Brock nous a dit de remplir des boîtes de conserve avec du sable, c'est clair, ce type se fout de nous, il ne s'inquiète que de la vie des grosses légumes de Washington. Ok. J'étais au lit la nuit dernière quand j'ai eu une idée du génie. Je me suis précipité au labo pour voir l'équipe de nuit. J'ai dégagé tous leurs dessins de la table et j'ai commencé à esquisser mon idée. Ils ont dû me prendre pour un dingue. 6h à 14h café plus tard, j'avais terminé. On pourrait utiliser une petite sous-charge et un catalyseur de lancement pour propulser l'ogive du lance-missile. Ça nous donnerait une portée bien meilleure et il serait possible d'intégrer la sous-charge à l'ogive elle-même. L'idée semble plaire à Brock qui nous donne le feu vert pour construire un prototype. J'ai hâte de faire un essai. Je lis avec vous. Il aura fallu presque un an et plus d'une centaine de tirs d'essai, mais le M42 est désormais opérationnel pour le terrain. Je n'arrive pas à croire que j'ai passé plus d'une année sur ce seul projet. Mais je me dis qu'on envoie une arme correctement testée à nos gars qui se battent de l'autre côté de l'océan. Et ça me rassure. Maintenant que c'est terminé, j'imagine que Brock va nous faire faire autre chose. Mais pour l'instant, je vais passer le reste du mois à préparer l'expédition des ogives. Ok, cool ta vie, mec. Que je trouvais les ascenseurs de Diamond City. Je regarde s'il n'y a pas de document technique. Encore des mini-nuques. Oh, les mini-nuques! Il y a de quoi faire un paquet de morts avec ça. Putain, c'est clair. On est d'accord, Piper. Et Piper. Oh my god, le stock de Fatman, c'est un truc de malade. Oh, holy shit. Moi, je veux toutes les caisses pour moi. Je peux pas les avoir. Et quoi? Il faut faire quoi, frère? Parlez au Palada Dance. Salut à tous. Un petit message. Yo, ça va Nassim? Comment tu vas? Salut à tous ceux qui viennent d'arriver, donc salut à tous, ce que je viens de dire. Ça fait énormément plaisir que vous soyez là. Donc on va quitter cet endroit, c'est terminé pour cet endroit. Je pensais que ça allait être beaucoup plus long que prévu, mais en fait, faut croire que non, quoi. Donc du coup, je pense qu'on peut se barrer. Ah, en fait, j'ai pas été ici, il me semblait bien que j'avais oublié un putain d'endroit. Ah, une plante! Oh, de l'eau. Ouais, ça va bien. J'ai une nouvelle méthode de... Waouh. Ouais, tu fais un vent comme ça, laisse. Paladin Dance. Regardez un peu cet endroit. On dirait que vous haïssez les super mutants autant que moi. Ouais, ce que je disais, c'est que tu vois, j'ai une nouvelle méthode de stream, ça a l'air de marcher. Enfin, nouvelle, c'est pas compliqué, hein. C'est juste que j'ai plus les commentaires à droite, comme ça j'ai plein écran. Et j'ai votre chat, donc tous ceux qui me parlent actuellement sur... mon appli Twitch sur téléphone en attendant d'avoir un PC assez bien qui arrivera dans le courant du mois de mai. Donc vous inquiétez pas avec ça. J'exécute les ordres, d'accord.
J'exécute les ordres de l'aîné Maxon. C'est tout. En tout cas, vous avez été sans pitié. C'était digne de la confrérie. Je sais bien. Ces abominations sont l'illustration parfaite d'un triste penchant de l'humanité. Fabrice, dédicace à toi, dédicace à ta confrérie préférée. Ça fait des années que je me bats contre ce fléau. Je commençais enfin à penser qu'on arriverait à les... Abominations de toute espèce sur Terre. Voilà qu'on découvre les satellites. La confrérie, c'est la meilleure qui soit. Abonnez-vous chez eux, actuellement. Vous pouvez vous abonner au prix de Wen. Paladin Dance est mort pour moi, MDR. Mort. Non, t'as raison. Peut-être le coup de grâce pour l'humanité. Enfin, mort. Désolé. Tu veux dire quoi par mort? Mort, tu l'aimes pas? C'est un an. Ah, tu m'as compris, un an. Voilà quoi. Un enfoiré. Ou. Tu la bouteille. La fin du monde, vous n'avez pas tort. Comment des synthétiques pourraient exterminer l'humanité? Et si les je savais que t'allais répondre. C'est pour ça que je te l'ai dit. Ils vont se dire qu'on ne leur sert plus à rien. Et je vous laisse imaginer la suite. Ils sont sûrement déjà capables de se faire ou de se répliquer. Je m'en fous de ta vie. Non, je rigole. Je suis obligé de faire la mission, les gars. Et avec la technologie de l'Institut, rien ne pourrait les arrêter. Pas même la confrérie. C'est un scénario terrifiant. Un véritable cauchemar. Enfin, n'y pense plus. Ce qui compte pour le moment, c'est que la mission soit une réussite. Mais c'est bon, on a compris. Devriez retourner à bord du prix d'Ouen. Mais tais-toi. Maxon attend certainement votre rapport avec impatience. Jette-toi dans l'eau. Non, je rigole. Ouais, c'est bien. Écoute, je savais pas, mais je m'en fous. Je vais aller dire au réseau du rail. Je vais faire mon faux cul. Je vais lui dire que t'es plus mon pote. Je vais lui dire que tu tues tout le monde comme ça, sans pression. Ouais, Dance, il est bien. Je rigole, mais il est bien. Dance, je le kiffe. Un petit peu parfois trop aidé à mon goût, mais... J'ai pas Dance, il parle trop, c'est un synthétique. Le spawn! J'ai dit pas de spawn sur mon life, les potes. Je m'en fous que ce soit un synthétique. Pour moi, c'est pas un synthétique, Paladin Dance. C'est mon pote, Dance. N'oublie pas que j'ai pas fini le jeu, moi. J'ai pas retourné Fallout 4 fois. Non, je rigole, mais je veux dire, vite le spoil, frère, parce que c'est chaud. C'est chaud quand même, c'est chaud pour ceux qui ont envie de découvrir, là, tu vois, c'est... T'es cool, Nassim, t'es gentil, je t'aime bien, tout ce que tu veux. Mais chaud, les spoils, tu vois. Si on crée une nouvelle partie et que ça supprime les anciennes sauvegardes. Ouais, quoi? Bon, on va retourner au prix de Wen, je pense que c'est ce qu'il faut faire. On va aller parler à l'aîné Max. Au prix de Wen, yeah. Tu veux dire quoi par là? Si on crée une nouvelle partie et que ça supprime les anciennes sauvegardes, tu veux quoi avec ça? Frérot. On va retourner voir l'aîné et les potes. Je pense qu'on va s'arrêter là. On va faire un petit peu d'exploration pour finir ça. On va retourner à Sanctuary parce que on est déjà, il est déjà 19h les potes. Hein? Pour certains, demain, c'est l'école. Pour d'autres, c'est le travail. Du coup, chaud. Je vais pas streamer ce que minuit. Faut savoir que j'ai raccourci les streams. Hein. Ça passe de 45 à 1h. En gros, je recommence le jeu avec un new perso. Je demande, est-ce que ça va supprimer les données de l'ancien perso? Non, ça va pas supprimer. Je l'ai fait tantôt. J'ai créé un perso corps à corps, tu vois. Et en fait, ce que ça va faire, c'est que tu crées une nouvelle sauvegarde, en gros. Et tu fais bien attention avant de quitter le jeu. À chaque fois, tu fais une sauvegarde, une vraie sauvegarde. Tu vois ce que je veux dire? Tu fais une vraie sauvegarde digne d'un blockbuster. Non, je rigole. Tu fais une vraie sauvegarde, pas une sauvegarde rapide. Qu'est-ce que vous allez faire de Force Strong maintenant?
Et voilà. Moi, pour te dire, j'ai 4 persos actifs. J'ai celui-ci avec vous que je fais en live. J'ai mon autre partie survie qui ressemble à celle-ci, mais là où je suis beaucoup plus loin, je suis niveau 36, je pense. J'ai une autre partie où je suis niveau 40, c'était ma première game, je suis en normal. Donc j'ai deux parties survie, celle-ci et l'autre. Une partie en normal, et j'ai commencé une partie en survie au corps à corps. Et je suis quoi, niveau 2? J'ai commencé ce matin. Si ça peut t'éclairer. Sinon, non, t'inquiète pas, ça supprime rien. C'est un honneur de servir. Bon, on va lui dire, mais j'ai du mal à le dire. Hein. Pour la confrérie, les gars, vive la confrérie, c'est pas trop mes trucs, ça c'est trop des trucs de gamins, c'est pas. J'ai toujours à cœur de donner le meilleur équipement possible à mes soldats. C'est juste que tu peux en faire des sauvegardes rapides, c'est ça que je veux dire, mais fais bien attention à chaque fois que tu finis le jeu. Donc tu quittes la play, tu vois, tu t'éteins la play. Moi je fais à chaque fois une vraie sauvegarde, tu vois. Comme ça, je vois mes heures de jeu et je vois quel perso. Quel perso c'est, tu vois, pour pas me tromper. Et toutes tes sauvegardes rapides ou sauvegardes automatiques, tu les supprimes. C'est ceux qui te servent à rien, en gros, que tu vas pas retourner en arrière ou je sais pas, à moins que tu veux faire des autres choix, je sais pas. Merci. Merci, aîné. J'en ferai bon usage. Tu vois. Hey, Snack. Salut Philips93XXX460. Bienvenue sur le stream de moi, Starkiller. Si nous sommes ici, c'est parce que les éclaireurs du palais. Ouais, je sais pas, tu me racontes ta vie, frère. Énergétique pour le moins singulier. D'après nos scribes, Maxon, je trouve que perso les gars, moi j'aime bien sa voix, elle est trop stylée. Il a une voix un petit peu charismatique comme ça. Notre mission nous a semblé couler de source. L'institut et tous les responsables de la création des synthétiques doivent être éliminés. C'est un fou. Quoi qu'il en coûte. T'es malade, Maxon. Demander à nos scripts de passer le Commonwealth au peigne fin. Bon, on va engendrer une nouvelle mission. Engendrer. Ok, on va créer une nouvelle mission, allez. Par où commencer? Par où je commence? Je veux que vous soyez nos yeux et nos oreilles. Ouais, j'ai recommencé pour finir avec la confrérie. Je pense, j'ai juste à mettre un autre nom. Ouais, mais ouais, c'est ce que j'allais dire. Tu mets un autre nom, hein. Tu mets 4. Moi, tu vois, j'ai mis 4 noms différents. Je vous ordonne de m'en informer immédiatement. Comme ça, je m'y retrouve dans mes sauvegardes, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Archive de l'Institut, une suggestion. Il n'y a pas de document d'avant-guerre qui pourrait nous en apprendre un peu plus sur l'Institut. D'après nos propres recherches, l'Institut serait né. Et quand je lance Fallouj, j'ai fait choisir un personnage. Le Commonwealth Institute of Technology. Ah bah laisse, bah ouais, bah alors non, t'inquiète, y'a pas de souci avec ça. Mais en fait, en gros, ce que je veux dire, c'est que tu supprimes toutes les sauvegardes qui ne te servent à rien. Et toutes celles qui sont importantes, bah tu. Enfin, logique, tu les gardes quoi. Signaux énergétiques détectés par l'unité de reconnaissance. Les signaux énergétiques détectés par l'unité de reconnaissance. Oui. Malheureusement, nous n'avons pas pu déterminer leur source. Nous en détectons toujours de temps à autre, mais ils disparaissent dès que nous envoyons une équipe sur place. T'as une sale gueule, Maxon, quand même. Non, je rigole. Les signaux proviennent d'un nouveau type d'arme de l'Institut. Avec sa barbe à la. Comment il s'appelle encore? Je dis qui. À la Crusoe. C'est un djihadiste, les potes. Vous avez une idée pour la suite des opérations? Vous devriez suivre la piste du docteur Amari. Nous ne savons pas encore s'il s'agit simplement d'une illuminée ou si elle peut vraiment nous aider. Mais nos sources indiquent qu'elle dispose d'instruments de haute technologie. Autre chose, chevalier? Non, monsieur Maxon. Pas pour l'instant, aîné. Très bien. Vous pouvez disposer. Je sais bien. C'est toujours ce qu'on me dit à la fin, en fait. Ok, merci pour l'info. Bon, alors les gars, on va mettre fin au live ici. Hein. Je pense qu'on a déjà streamé pas mal de temps. Je regarde l'heure encore une dernière fois. Il est quantième, il est 53. Peut-être qu'on va faire, on va vite fait retourner à Sanctuary. Et on va s'arrêter là parce que comme ça, on avance tranquillement ensemble. Faut pas brusquer les choses, pas aller trop vite encore une fois. Parce que si je fais toujours des lives de 2 heures, voire 3 heures, ça va être trop long, les potes. Le maximum que je ferai, c'est 1 heure maximum, peut-être quelquefois 1 heure et quart, mais sans plus. Voilà. Donc, en plus, c'est bien, je suis déjà passé bientôt niveau 28 avec une seule quête. C'est cool.
Franchement, il n'y a rien à dire. Donc, on retourne à Sanctuary. La mission qu'on fera par la suite, c'est la mission avec le connétable Tigan, je pense. Terminer, participer à la défense de la colonie. Ok, j'ai rien fait du tout, mais j'ai réussi à participer, quoi. Donc, ouais, la prochaine quête qu'on fera, c'est nourrir les troupes, persuader les fermiers de faire don de leur récolte. Ça se trouve où? Je vais regarder un petit peu sur la map pour voir. Oh, c'est pas beaucoup en bas de la map, frère. Bon, ben c'est bien, on aura quoi à explorer. Voilà. On fera nourrir les troupes ainsi que Gemmon City Blue parce que la quête là ça fait très longtemps que je l'ai. Et on fera un petit peu de Silver Shroud. Alors les gars, Silver Shroud, je vous conseille de pas manquer ces quêtes là parce que elles sont épiques. Je pense que c'est les quêtes les plus épiques de Fallout 4, vraiment. C'est tendance à allez, vous retournez un petit peu dans les années 80, 70, genre la mafia, etc. Américaine, au temps d'Al Capone, etc. Et c'est des règlements de compte, etc. Règlements de compte à Okekora, je sais pas si vous connaissez. Réplique de Transformers, les gars. Pour ceux qui connaissent. Voilà. On compte les morts par douzaine. Bon. Mais il faut pas, Piper, être jalouse. Ça ne sert à rien, la jalousie mène à rien. Oh là, je vois que... Attendez. Oh punaise, j'avais pas fait attention en fait, j'ai trouvé un putain de fusil de chasse à 96 de dégâts. Et celui-là, il se la coule 12 dans mon arsenal, 62 dégâts, il reste là, je sais pas ce que je fais, mais je pense que je vais le mettre au croff les gars. Puni pendant 10 ans. C'est de la merde cette arme. On va un petit peu ranger ça et on va mettre fin au life. Peut-être par contre ça je vais garder le... Ouais, on range ça. Double canon, je range parce que je joue quasiment jamais avec. Ça je garde, l'autre je vais de la dez. Tout ce qui est grenade on va ranger hein, pour prochain... Dans les prochains lives on pourra un petit peu rigoler. Donc les balises fumigènes je prends. Enfin je range. Grenade plasma, les mines je range aussi. Voilà, c'est bon. Au niveau des tenues, vous voyez un petit peu comme ça, où je trie un petit peu. Et je ne vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas pour ce qui est de la construction à Sanctuary. Par contre, Piper, tu me bloques là. Hop, on va tout mettre en place dans l'atelier. On va dès vite fait ce flingue-là parce que j'ai beaucoup mieux. Voilà. Nickel, chrome. On va effacer ces radis. Sinon. On va regarder un petit peu dans le tableau d'aptitude. Donc le prochain point de compétence. Si jamais j'oublie, n'oubliez pas de me rappeler si vous êtes là. Il va falloir que j'améliore. Pas forgeron. Voilà, rein d'acier. Un vrai cheval de trait. Votre charge maximale augmente de 25. Parce que là, je commence à... Ça commence à être un petit peu chiant. 230 sur moi. Enfin voilà quoi. C'est un peu abusé. Et je dois souvent revenir à Sanctuary, c'est un petit peu casse-burne, on va dire comme ça. Donc ne vous en faites pas, je construirai bientôt des bâtiments. Faut savoir encore une fois, pour ceux qui ne savent pas, Sanctuary c'est pas la plus grande étendue de construction. Faut savoir qu'il y a une île ici quelque part, on la voit pas mais il faut juste la trouver. C'est la plus grotte... La plus grande étendue qu'on peut coloniser, donc on peut construire, hein, encore plus grand que Sanctuary. Donc voilà, je vous ai un petit peu fait le tour. Donc, mercredi, on se retrouve mercredi les potes pour le prochain live de Fallout 4. Ça sera en après-midi, logiquement. On fera Diamond City Blue. Donc, promis juré, on la fera. Ça fait un petit moment que je veux vous la faire. Donc, était Paul Brimbrock, qui a intimidé Henry Cook. C'est une quête assez cool à faire. Je vous réserverai peut-être une surprise avec cette quête-là. On va rigoler un petit peu. On fera nourrir les troupes, persuader les fermes. Donc on devra se rendre là-bas, les potes. Hein. Ouais, plus bas encore. Ici, voilà. Donc on aura de quoi explorer. Si pas, peut-être croiser des écorcheurs, etc. Pourquoi pas. Sinon, on fera peut-être des quêtes pour Preston, hein, pour les miliciens. Voilà. Et la quête principale, je la laisse un petit peu de côté. On la fera sûrement, on la continuera sûrement le week-end prochain. Sur ce, les potes, prenez soin de vous.
C'est Starkiller qui vous parle, les gars. N'oubliez pas de commenter, de mettre un pouce bleu, d'aller sur ma chaîne YouTube. Vous connaissez la chanson encore une fois. Si ça, jamais ça vous intéresse, donc il y a des tutos, il y a de tout. Je fais de tout comme jeu. J'adore les RPG, donc vous inquiétez pas. Sinon. Voilà, donc merci, je tiens à remercier tout le monde sur le live, que ça soit Phillips, Nassim et FireDead et tous les autres, hein, Monsieur Omega 12, je pense qu'il est encore passé tout à l'heure. Merci à tout le monde, même ceux qui ne parlent pas, je peux comprendre que vous êtes timide, moi je l'étais avant, donc voilà. Encore une fois, merci à tous, passez une bonne soirée, bonne chance à tous ceux qui ont école et cours ou travaillent demain. Passez une bonne fin de week-end à tout le monde. C'était Starkiller 1989, les potes. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!